Et bonjour à tous et à toutes, mon nom est TiptonSecMark, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un let's play que j'attendais, que vous attendiez peut-être pas que je fasse étant donné que plusieurs youtubeurs l'ont déjà débuté. Mais j'attendais ce jeu depuis son annonce. C'est l'un des jeux qui m'a fait pencher pour m'acheter une PS4, déjà que j'avais déjà la Xbox One. Une exclusivité PlayStation 4, j'ai nommé Until Dawn. Le film interactif d'horreur est disponible sur PS4, en exclusivité sur PS4, édité par Supermassive Game, développé par Sony Computer Entertainment, sorti le 25 août en Amérique du Nord, le 26 en Europe. Un jeu bien sûr classé pour les 16 ans et plus. J'avais très très hâte de vous faire ce let's play. Littéralement, j'ai extrêmement hâte. À noter que, vous voyez là, il y a plusieurs bonus qu'on pourrait collecter. Je vais juste aller voir les sous-titres, voilà. On va garder les dialogues en français. Donc, comme je le disais, j'ai la version précommandée du jeu, donc ce qui veut dire qu'on aura un chapitre supplémentaire. Donc, ça vous donne une excuse de plus pour venir l'écouter sur ma chaîne. À noter aussi que... Bah, si vous voulez le faire de votre côté, vous pouvez toujours attendre d'écouter le let's play après y avoir joué, parce que c'est un petit peu comme les Walking Dead, si on a l'intention d'y jouer et qu'on écoute un let's play, on n'a plus vraiment envie d'y jouer par la suite. Alors c'est parti, nouvelle histoire. L'effet papillon. Le battement d'aile d'une minuscule papillon aujourd'hui peut créer un ouragan dévastateur des semaines plus tard. La plus petite décision peut changer le futur de façon radicale. Vos actions décideront de la manière dont l'histoire se déroule. Votre histoire est une possibilité parmi tant d'autres. Choisissez scrupuleusement vos actions. Oh, j'ai hâte, les amis. J'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va. Elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Oh. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Hey, M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. D'accord, ils veulent faire le soin, hein. Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike? C'est Anna. Salut, Anna. Vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Josh? Alors c'est maintenant moi qui bouge la caméra. Donc c'est bien, la caméra ne bouge pas à la même vitesse.
voyez, comme un bon vieux jeu point and click. Didacticiel. Maintenant, R2 pour prendre la lettre. Anna, t'es trop sexy avec ce haut, mais je parie que tu l'es. Je parie que tu l'es encore plus sans. Viens dans la chambre d'amis à 2h, Mike. Oh putain. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. Bon, faut qu'on intervienne. Non, je peux pas interagir avec lui qui dort en plein milieu de... Y'a pas mal de poussière là, je dois avouer. Ouais, je vois ça. Merde, Josh. D'accord, faudrait que je lâche. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à... Tu sais, sploter. Et voir où ça nous mène. Oh, ouais. Oh putain, elle enlève son haut. Quoi? Oh putain, c'est pas vrai. Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Na. Anna. Désolé, Anna. C'est parti en vrille, mais... C'est juste une blague débile. Ah. Oh, merde. Vous êtes tous trop cons, vous le savez. Anna! Donc réveiller Josh ou rejoindre. On va réveiller Josh. Josh! Josh! Merde. Alors chaque action peut nous faire perdre du temps et tout ça. Quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon. Elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna! Vous avez fait quoi? On voulait déconner, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sales cons! Anna! Anna! Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Appuie sur la touche d'action correct avant la fin du temps. D'accord. Prudent. Voyez prudemment, si on se blesse, ça sera pas mieux. Suivre le bruit ou suivre les pas, les pas. On commence déjà avec pas mal de décisions, j'aime bien. On sert. Merde! Oh putain! Putain, Anna! Mais t'es où? Utilisez le pavé tactile comme on l'indique. D'accord, on utilise le pavé tactile. Pour des vidéos inutiles, l'air. Mise à jour du statut. D'accord, on peut diriger le vaisseau lumineux. Je sais moi, il y avait des trucs bizarres sur l'arme. Ouais, il y a l'air d'avoir des symboles sur l'arme.
pas si vous voyez. À moins que ça soit la neige. Ouais, c'est peut-être la neige. C'est moi qui paranoïe. Le jeu est très bien fait, l'ambiance, là, réellement. Oui, merde. J'ai fait le saut. Menez L1 pour marcher plus vite. Ouais, t'es là? Totem de mort. On a obtenu un objet. Prophétie des totems. Noir, mort. L'éventuelle mort de la personne qui la trouve. Les tribus indigènes pensaient que les papillons transportaient les rêves et les prémonitions. Chaque totem prédit un avenir possible. C'est votre manière de jouer qui déterminera si ces prophéties se réalisent ou non. Les événements du passé deviendront plus clairs à mesure que vous débloquez des totems. Ah. Et mort, conseil, perte, danger, chance. D'accord. C'est un peu étrange tout ça. On a vu de la lumière au fond là-bas, là, c'est un peu étrange. Qu'est-ce que c'est que ça? Anna! Anna! Oui? Anna! Oh bon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis! Je suis trop stupide! Anna, baisse! Il a perdu son cellulaire. On a réussi à s'accrocher. Tiens bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens bon. Ah d'accord, il avait sans doute un lance-flamme. Ah, on est mort. Pas réussi, alors c'est normal si les personnages meurent dans ce jeu. Donc nos deux premières morts, les amis. L'analyste. Docteur A.J. Hill. Avant de commencer... Il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode.
quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon, commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. D'accord, on a des gants, donc on peut pas savoir si on est une femme ou un homme. Bah, une femme, là. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. Bah, de la joie. C'est bien. Quel est l'élément qui vous a le plus procuré de joie? Sans doute le soleil, j'imagine. Le soleil, je vois. Bah, tu nous as demandé d'être francs, là. Exprime le mieux ce que vous ressentez en présence de l'obscurité. La peur, j'imagine. La peur, vraiment. Ah, c'est intéressant. Dans mon pays, au nord, en Suède, les nuits durent 18 heures. Et pour quelle raison auriez-vous peur du noir? Non, 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 pas tout le monde. Mais c'est une peur tout à fait légitime. Le noir, après tout, c'est ce qu'on ne voit pas. Et donc, l'inconnu. Et il n'y a pas de peur plus grande que la peur qui naît de l'incertitude. Eh bien, on dirait que cette session touche à sa fin. Mais nous en reparlerons très bientôt. En attendant, je vous conseille d'éviter le plus possible les endroits sombres. Psychiatre un peu étrange, un psychologue en fait, sans doute. Sony Computer Entertainment. Super Massive Games. Until Dawn. Ah, ce jeu. Aujourd'hui, le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Chef local, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues à... Les amis. Avant d'en savoir plus, il va falloir attendre le prochain épisode. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, un petit pouce bleu, et on se retrouve bientôt. Allez, ciao.